On sait que effectivement les questions fondamentales, celles des droits de toutes et tous, à tous les droits fondamentaux, et ben c'est pas ça dont on discute dans cette période électorale dans les médias. Donc on est là pour faire entendre nos revendications, nos résistances, nos alternatives, et le faire en convergence. Alors pourquoi on a choisi de venir ici? Donc ici on est dans un local qui appartient à la mairie de Paris, qui avait concédé ce local depuis 100 ans, donc on est à la fin de ce qu'on appelle un bail en fille. Voilà, merci. Voilà. Et donc, en fait, c'est la chambre de commerce qui l'utilisait déjà, qui va racheter ce local à la ville de Paris pour, alors je prends mes chiffres, 35 millions d'euros. Voilà. Mais, évidemment, il y a une autre chose derrière. La ville de Paris achète à la chambre de commerce la bourse du commerce qui se trouve près des Halles. Vous savez, certains d'entre vous connaissent. Il y a longtemps, on l'a occupée avec certaines associations, il y a quelques années de cela. Donc la ville de Paris rachète la bourse du commerce pour 86 millions d'euros. Vous suivez toujours? Et pourquoi la ville de Paris a racheté la bourse du commerce? Pour en faire des logements sociaux? Ouais. Pour en faire des crèches? Ouais. Pour en faire un hôpital? Ouais. Vous avez tout faux. La ville de Paris a racheté la bourse du commerce pour la rétrocéder à quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Bernard Pinault. Ouais. Et qu'est-ce que Bernard Pinault veut faire de la bourse du commerce? Pas du tout. Eh bien, Bernard Pinault, comme c'est un grand ami des arts, il veut faire un musée, mais pas seulement un musée, des restaurants de luxe, je pense que ça ne sera pas des cantines populaires, des commerces de luxe. Et donc Bernard Pinault et sa fondation, Ferra, écoutez bien, 2 × 7,5 millions, c'est-à-dire 15 millions, et ensuite 60 000 euros par an. Alors, faites les comptes, mais ça veut dire qu'il y a quelques dizaines de millions d'euros. Ben finalement, qui vont disparaître dans l'affaire, au profit de qui? Au profit de Bernard Pinault. Donc c'était évidemment pour nous un bon lieu pour venir, comme symbole de ce, quand on dit nos droits contre leurs privilèges, et bien évidemment, là, c'est très concret. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ici? Ici, on veut faire deux choses, parce qu'évidemment, cette action a été montée, je l'ai dit, par l'espace commun, nos droits contre leurs privilèges. Et vous pourrez trouver, il y a un site qui s'appelle nosdroits.org, donc je vous conseille d'aller voir dessus. Vous verrez la liste des signataires qui s'agrandit jour en jour. Et vous verrez aussi un certain nombre de contributions sur les 4 thèmes qui fondent notre espace commun, qui sont la question, le premier thème, c'est la question du partage des richesses autour de rendre l'argent. Parce que nous estimons, et il y a ici Dominique Pillon, le porte-parole d'Attac, qui pourra l'expliquer tout à l'heure, que de l'argent, il y en a, il suffit d'avoir la volonté d'aller le chercher. Le deuxième axe, c'est la question de nos droits fondamentaux, effectivement. Et là, aujourd'hui, cette action, elle a été montée en particulier avec le DAL que vous connaissez bien. Et l'idée, c'est ici, eh ben, d'installer des familles. Des familles qui ont droit à un relogement. Et en particulier dans cette période où le racisme, l'islamophobie, la homophobie, la négrophobie montent dans notre pays, eh bien nous sommes décidés à faire face tous ensemble, y compris contre les violences policières. Et beaucoup d'entre nous seront là à la marche du 19 mars contre les violences policières à l'appel des familles. Et on a ici des représentants du collectif qui organise cette marche. Et puis enfin, le quatrième axe qui est pour nous aussi important, c'est la question de la lutte contre l'état d'urgence. L'état d'urgence qui est devenu un état permanent, et au nom de cet état d'urgence, eh bien toutes les libertés fondamentales, les libertés démocratiques, les libertés individuelles et les libertés collectives sont bafouées depuis 2 ans. Donc nous sommes là pour dire aussi que ça, nous n'en voulons plus. Alors nous avons le soutien, et c'est important, du syndicat de la magistrature, dans notre collectif. Effectivement, des familles vont s'installer ici pour exiger leur droit à un logement digne, un logement accessible. Et nous sommes ici aussi pour installer un quartier général des mouvements sociaux, un quartier général de notre espace commun, nos droits contre leurs privilèges. Et tous ensemble, dans les jours et les semaines qui viennent, nous sommes bien déterminés à nous faire entendre par l'occupation de cet espace, mais aussi par de multiples actions à Paris, bien sûr, en région parisienne, mais dans toute la France.
France. Donc on vous demande de rester ici. Voilà, de rester. On a de la musique, on va s'occuper. Il y aura des prises de parole où les jeunes vous expliquent beaucoup mieux que moi ce que je n'ai fait. Pourquoi ils sont là, pourquoi les différents mouvements ont rejoint cet espace commun. Parce que de la convergence, on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin dans les semaines qui viennent. Et on en aura besoin dans les mois et les années qui viennent, quel que soit le résultat des élections. Merci. La loi de Dieu.